Whenever I raise this prayer point, I used to go in anger. I rise in anger. I will wicked them. I will wicked them again. Et je vais les faire mal encore. Avertisse-les de laisser Dieu dans son mouvement. Tu ne veux pas accepter la vérité, reste chez toi. On n'est pas invité quelqu'un. Pour nous, c'est pour lancer la parole de la vérité. Celui qui voulait échapper, il va prendre ta parole, répandre. Si tu dis que notre église est bon, tu nous demandes l'adresse, on te donne. Si tu ne veux pas, rester chez toi. Alléluia. Évangile, ce n'est pas pour amener n'importe qui. C'est aller annoncer la vérité. Celui qui veut, accepte et échapper. Cool, échapper. Et si tu ne veux pas, laisse. Le flyer qu'on t'a donné, tu peux déchirer, jeter à l'eau nos toilettes. 7 jours, tu vas voir toute cette vidéo. Alléluia. The gospel of our Lord. I pity them all. The Lord has spoken, and that is the end. I leave it there. He's taking control of it. I heard him, he has spoken. I leave it there. I pity them. Many of them that fight this ministry, they are in the grave right now. Alléluia. Que vous ne connaissez pas. Moi, je vais laisser la parole là-bas parce qu'il a déjà répondu et j'ai laissé. Parce que plus pas qu'il y a combat contre cette église dans cette vie, ils sont plus, beaucoup de eux, ils sont dans le tombeau maintenant. Ils sont à l'enfer. Ils sont à l'enfer. Plus pas qu'il y a combat contre cette église, qu'il y a combat contre Sylvester dans cette vie. Ils sont à l'enfer. Ils sont morts dans leurs péchés. Mais les autres qui réclament qu'ils sont pasteurs, ils sont morts. La mort disgrâce. Ah, il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, c'était avant-hier ou dans la semaine. Il dit, Sylvester, tu es hébreu Israélien. Restez dans ma parole. Dis mon peuple, tu ne mourrais pas dans le pays d'étrangers. Ah! Il said, tell my people, you are Hebrew Israelites. You will not die in the foreign land, in strange land. You will not die in foreign land. I will bring you. So that is why I said, I will bring you to the land which I have promised your fathers. Alive. I am among the generation that will go there alive. And I decree it upon your life. You will enter there alive. Alléluia. Il dit, tu ne mourrais pas dans le pays d'étrangers. C'est pour cela que j'ai promis, et tu es dans cette génération qui va rentrer dans cette terre que j'ai promis à tes papa, tes grands-pères, Abraham, Isaac et Jacob, et cette terre, tu vas rentrer avec tout ton dépit vivant. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. May the Lord be glorified in the name of Yeshua HaMashiach. By the grace of Elohim, peut-être cette introduction que je vais faire, tout ce là, nous partir pour aller reposer. Alléluia. J'en ai pitié pas même. Le pasteur qui souffre tous les jours, c'est pour ça dit qu'il prend le temps. Il n'a jamais pensé de comment il dort, comment il souffre, comment il fait les choses. Alléluia. Si j'étais moi dans le salarié, je sais la façon qu'on va me critiquer. Ou si je ne travaille pas comme les autres, les personnes ne travaillent pas. Ils ne voient pas tout ça, critiquer. Si je ne travaille pas et c'est l'argent d'église que je mange, la façon qu'on va me disgracer dans ce pays, ça sera grave. C'est pour ça que je remercie Dieu. C'est pour ça que moi-même, je dis au Seigneur, donne-moi le travail. Je veux faire le travail. Je veux aussi faire ton œuvre. Tous les faux pasteurs, je ne veux pas les voir, les critiquer. Alléluia. Il prend tout son temps, il fait tout. Il n'est pas même le temps de sa famille et tout. Mais ça qu'il va recevoir, c'est pour les critiquer. Même les autres qui sont venus ici reçoivent le miracle, reçoivent tout. Même les autres que la vie était pourrie. Ils voulaient même assassiner eux-mêmes. Ils voulaient prendre le suicide. Même those ones that want to commit suicide, they came to this ministry
the life came back. All I receive from them is to criticize me. Hallelujah. Tous qui sont en train de mourir, qui sont rentrés dans cette église, la grâce de Yeshua Amashia dans cette église, il a ramené la vie dans leur vie. Là, pour dire merci, c'est difficile, c'est la critique. Attends. Peut-être cette juge sera parmi les gens qui va les juger. Parce que la Bible dit, tous mes enfants saints, il va juger les païens cette jour. Le jour-là, je vais te demander, c'est fini ou ça reste encore? C'est toi? Ah, pourquoi tu n'es pas rentré dans le paradis? C'est pas ça? J'ai déjà vu ça. Le Seigneur m'a déjà montré ça. Je vous ai déjà dit ça, non? La selle, les petites selles de notre frère Amand là et tout. Quand le Seigneur m'a amené aussi, le jour que j'ai vu le MFM Paris, ils sont en ligne avant que Paris a brûlé. Novembre 2021. Novembre, oui. Quand il m'a donné cette révélation. Quand l'ange de Dieu a été amené, on a été allé. C'était divisé comme la révélation de l'homme riche avec Abraham, avec Lazare. On me voit, il y a des allées, ils ont commencé à pleurer. J'ai vu la plupart des gens qui sont venus dans cette église, ils sont à l'enfer en train de brûler. Ils ont reçu la tourmente. Il n'y a que cette celle qui a commencé de crier. Pasteur, 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 sa voix il vient comme petit dans mon oreille. J'ai regardé, c'est comme qu'il y a le miroir qui a divisé, qui nous a séparés. Il dit, pasteur, aide-nous, 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 aide-nous. Ah, quand j'ai regardé cette petite sœur de Amman. Ah, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, il dit, ah, pasteur, c'est parce qu'on a rejeté tout ton message. C'est pour cela qu'on nous a jetés ainsi. Ah. Il dit, pourquoi vous avez rejeté tout le message que je vous dis? Pourquoi? Il dit, on pense que ce n'est pas vrai. On pense que ce n'est pas vrai. Aide-nous. L'ange de Dieu m'a dit, alors, laisse-les. Le Seigneur m'a dit, c'est ici. Le Seigneur m'a dit, alors, c'est maintenant que je fais la main comme ça. Quand l'ange m'a dit, alors, laissez-les. J'ai fait comme ça. Je ne peux rien faire. Je continue de sous l'ange. On est arrivé maintenant, c'est là-bas, maintenant que j'ai vu tout le ministère de MFM, de Paris, région de Paris, Saint-Denis, tant qu'ils sont là-bas, en ligne. J'ai même pensé que c'est là-bas que je vais aller. L'ange m'a dit non. Ils sont à gauche. L'ange m'a dit, allez à droite là-bas. Allez assis là-bas, attends, Yeshua. Il arrive. Quand je l'ai regardé, ils sont là, tous les visages, c'est comme quelqu'un qui est dans la punition. Il n'y a pas la joie, Ils sont tous debout, en ligne, comme ça. On m'a regardé aussi. Comme ça. J'essaie de rire. Personne n'est pas changé son visage. Moi, j'ai resté où que je suis. L'ange, maintenant, il m'a dit, va assis là-bas. Voilà, je suis assis. Là, on m'a rangé. Blanc, chien blanc, table blanc. Ils sont même fruits, comme le croquette. Comment on dit ça? Blanc que j'avais acheté, qui sont en train de user pour faire le mariage. Oui, blanc. C'est ça qu'il a mis aussi dans le plat pour moi, il a dit, restez là, Yeshua arrive, ok? Il a dit, merci. Quand il a assis, il me dit, de cette direction, j'ai vu la lumière qui a éclaté. Je sais que c'est mon Yeshua. J'ai élevé pour lui. Immédiatement, quand je vois ça, je sais que c'est Yeshua qui a été déveillé. C'est comme ça que j'ai réveillé. C'est pour ça que j'ai réveillé dans cette vision. Et
Que Dieu soit glorifié. Parce que j'ai entendu parler, même c'est ma femme qui m'a fait réveiller. J'ai entendu parler. Et elle a entendu attendre, elle pense qu'il y a un chose qui m'a fait réveiller dans cette rêve. Et c'est la vision de notre loyer de Dieu. Continue de rejecter, continue de critiquer. Je me sens que Yeshua, en train de parler, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Si c'est à moi, je vais dire ça qui te plaît. Mais c'est lui qui parle. Lui, il m'a refusé de dire n'importe quoi. Alléluia. You see, that's the testimony. When I saw him, he took me to heaven. Angel of Elohim, come and meet me and say, Yeshua Amashiach want to see me. That's what he told me in that vision before we start that journey. We took that journey. C'est ça que cet ange, sous la terre, il m'a dit, quand il a venu, il a dit, Yeshua Amashiach voulait me voir. Il dit, Yeshua, il me dit, je suis transformé, je me trouve en blanc. Immediately I saw myself change. I now in white robe. We took off. As we get there, we are walking. It's just like as Yeshua described the revelation concerning the rich man and Abraham. Exactly like that. We were walking and I saw people, group of people in the other side. There was a division like a glass. I was seeing them. They see me. They were groaning, crying, shouting, in torment, in high torment. And the sister of brother Aman was the one who was calling me, Pastor, Pastor, help us out, help us out, help us out. Here, we are suffering, we are suffering. I look, I saw her. I asked her, what are you doing here? He said, because we refuse your message. We refuse to do your message, to apply it. And I say, why? Why do people refuse my message? I see many of them that come to this ministry. I saw them all there. Shame could not allow them to call my name. But this sister stand calling me. And I say, why? He said, we don't know. We thought that we are not, what you are saying is not true. We thought that we have been deceived. We have been deceived. The angel turns back and says, call me. Leave them alone. Let's go. And I wave hand and I tell her that I cannot do anything. I can't do anything. And I move with the angel. Getting to the place now that we are going, I saw all the ministers in MFM Paris, Saint-Denis, before that place got born. This revelation was in around November 2021. October, November 2021. I was thinking that is where I am going. They were at the left side. So I wanted to go and join them. They are online. They line up as people are receiving judgment. I wanted to go and join them. When I look at their face, no one is smiling. I tried to smile. They don't respond that smile. They were all, their face is all squeezed. I look at the angel. Angel said, it's not that place. I should go to the right side. That's where they prepare. I saw the white chair, white table with a white chips, white, pure white plate, everything. That's where they prepare for me. Go and sit there, wait for Yeshua is coming. I said, okay. I went there and sit. As I sit, I was looking at the white chips, white this thing they repeat there for me. I was just wondering. White, everything white. I just saw the light coming from the glory of the light. And immediately the light appeared because this is not my first time to see Elohim, to see Yeshua. I know it's him. I stand up to welcome him. Then, because I was by the side of my wife, I was also speaking. I was glorifying. I was happy. I was speaking. She heard me speaking. She tapped me. That's how that revelation got. I wake up. Hallelujah. And I passed that message to MFM, the secretary. They did not follow it. After 2 months, the headquarters got burned. I passed it. I told them, go into fasting and prayer
I don't know what is happening within you people there, but something is wrong. There's something wrong. You will need to seek Elohim with the fasting and prayer for forgiveness. I told her. I told the secretary. Hallelujah. December, they appelé le secrétaire Kiss, Fred Kiss. Regarde la révélation que le Seigneur m'a montré. Il y a un problème, il y a quelque chose qui a été passé au milieu de vous là-bas. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que ce n'est pas OK. Le Seigneur n'est pas content avec vous. Appelle tout le ministère, tous les ministères, tous les pasteurs qui sont là-bas, qui rendent la prière. Et cette prière, c'est la prière de repentance. Il m'a dit merci. Il dit, il va passer ça. Après des mois, décembre, janvier, février, elle m'a fait Paris. Serge l'a brûlé. Brûlé jusqu'à, il n'y a rien. Le pompé ne peut pas me mettre le feu. C'est la colère de Dieu. Mais je ne sais pas que s'il voit ça, il pense que ça semble. Que Dieu a pitié. On va continuer de dire la vérité. MFM, si tu voulais attendre. Je ne veux pas. Non, Sylvester, moi je vais te dire la vérité. We continue to say the truth. The fire that comes to them is the wrath of Elohim, the anger of Elohim, is the warning of Elohim. Whether they will hear it, they will not hear it, they concern them. I, Sylvester, will continue to tell you and tell MFM the truth to repent. Come back to your former place. Come back now. It is not to go to rent another place. It's the matter. The matter is, have you arranged and make that relationship between you and Elohim okay? Have you fixed it? My people say, me messi here, we be wey nigla be wey kwe. Hallelujah. When you don't fix that thing and arrange it very well and make that relationship okay with Elohim, donc, le langage de mon tribu, ils ont dit, si vous ne passez pas pour aller louer et prendre encore une autre place, et louer encore une autre place, si vous n'avez pas arrangé votre relation avec le Seigneur, mais ça a arrangé ça qu'il y a provoqué pour brûler là-bas, il dit, ça qui est en train de pleurer, il est là-bas encore en train de pleurer. Ce qui signifie que ce problème, il est encore là-bas. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il a dit, ce n'est pas MFN qui m'a appelé. Ce n'est pas Dr. Lucas qui m'a appelé. Ce n'est pas Pasteur Victor qui m'a appelé. Les choses comme ça, il va faire les gens qui ne connaissent pas la Bible mal. C'est Yeshua Amashia qui m'a appelé. C'est la parole de mon papa que je vais écouter. Parce que c'est lui qui va juger Dr. Olukoya, Pasteur Victor, Sylvester, c'est lui qui va tout juger. Et sa jugement, il n'est pas, il n'y a pas celui qui a beaucoup d'argent. Et si on lit dans l'enveloppe, il va dire que tout a passé parce que tu m'as donné beaucoup d'enveloppes. Il n'y a pas ça dans le jugement de Yeshua HaMashiach. Hallelujah. So that's why I keep on saying the truth to every member of MFM to repent. Go you back and be washed by the blood of Yeshua HaMashiach. Lay aside that garment that is stained with sin. Because both Dr. Olukoya, both Pastor Victor, both whoever it is, you may not like my message. But Elohim will judge every one of us. He's the one that will judge Olukoya. He's the one that will judge Pastor Victor. He's the one that will judge Sylvester. He has no respect for anyone. Whether you are the richest one among us, you cannot bribe him with money. Listen to his word now. Let everybody repent. Lay aside the garment that has been stained with sin. Hallelujah. Que Dieu soit glorifié. C'est comme ça. Le message qu'il me donne, c'est pour tout le monde. C'est pas tout. On est là pour préparer notre vie, pour entrer dans son paradis. Il n'est pas le respect
pour n'importe qui. Et si tu veux avoir l'église et construire l'église qui va que tout le monde là, quand il rentre dedans, ça va aller, tout le monde va si confortable. C'est pas ça qu'il t'a envoyé. C'est pas ça que, est-ce qu'il nous a envoyé ça? Non, il nous a pas envoyé pour aller faire ça. C'est quand même, c'est lui-même qui construit son église, c'est pas toi. Mais aujourd'hui là, ils s'en prennent eux-mêmes comme c'est eux qui construisent l'église. C'est Yeshua qui construit l'église. Dans sa parole, il dit, il y a les autres que Dieu donnait 60. Il y a les autres que Dieu donnait 50. Il y a les autres que Dieu donnait 80. Donc, même petit qu'il t'a donné, il faut travailler pour voir que tu l'as amené aussi. Ou pas sous quelqu'un. Parce qu'il a, il a 80. Moi aussi, je vais faire pour voir 80. Non, le Seigneur ne travaille pas comme ça. Alléluia. Le berger que vous voyez, le berger n'est jamais à la même troupeau. Vous avez déjà vu le berger en train de conduire les troupes? Vous l'avez déjà vu avec la même. Si lui là il est 1000, l'autre c'est les 1000. Il y a les autres qui sont 10, les autres sont 20, il y a les autres qui a 100. Et tout le monde, qu'est-ce que leur objectif? C'est pour conduire pour bien manger les comment dire ça, hein? Pour être ok, après il dort. Alléluia. Tout le monde sont satisfaits avec le nombre qu'ils sont en train de conduire, mais c'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pas pour nous. On veut parce qu'on veut que on veut que quand c'est beaucoup, l'argent rentre. Quand c'est beaucoup, je suis riche. C'est pour cela que tout le monde commence à faire les bêtises. That's one of the errors that people are doing. They don't see the word of the Elohim that said, he gives some 30, he gives some 50, he gives some 60, he did not give them equal. The little that he gave you, work very hard to make sure that you lead them to his paradise. Feed them well. Feed them with the correct message of Elohim. Undiluted message. Unleavened bread. Give them. Don't labor to get branches and get everything and get this thing. Shepherd. You don't see shepherd. Shepherd have different troop. They don't have the same sheep. Some have 10, some have 20, some have 30. And they lead them to go and eat with joy. When they feed very well, they bring them to come and sleep. But not a human being today, not all these pastors today. May God deliver us. May God help us. In the name of Yeshua HaMashiach. Let me just introduce this message. We will continue next Sunday. If I introduce that message, I will continue the dimanche prochain. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. We continue next Sunday by the mercy of Elohim. In the book of Isaiah, don't leave the Isaiah. Isaiah 42. Isaiah 42. Alléluia. Isaiah 42. Verse 6. Isaiah 42, verse 6. Isaiah 42, verse 6. Isaiah 42, verse 6. Si tu es là-bas, aide-moi à lire. Isaiah 42, verset 6. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon alliance envers le peuple, la lumière du monde. Alléluia. Amen. Toujours la française. Qui a la version qui a dit parmi des païens? Nation aussi. Vous voulez la dimension aussi? La lumière des nations. Ah. Tu,
Pour toi, c'est Nachon aussi? Ok. Ok, tu vois. Ok, regarde ça. Toi aussi, pour Nachon, c'est Nachon? Ok, regarde l'autre là. Si c'est Payan, tu me dis. Alléluia. All the French Bible call it nation. Alléluia. That's where the enemy deceive us. They manipulated our Bible, rewrite and change many things so that we will not know what the Lord is saying. My own says, pour moi, il a dit, Isaiah 42, verse 6. Isaiah 42, verse 6. He said, il a dit quoi là-bas aussi? Ok. Pour moi, il a dit, I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thy hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Pour être la lumière des païens. Alléluia. Tu lis encore le verset 1. Let us read verse 1 again. Read the verse 1 again. It still mentions Gentiles. Alléluia. Lis le verset 1. Verset 1. Let us read again verse 1 of Isaiah 42. Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Uh-huh. Je le tiens par la main. Uh-huh. J'ai plaisir à l'avoir choisi. Uh-huh. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il libère les peuples selon le droit que j'instaure. Uh-huh. Verset 2. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. On n'entendra pas non plus sa voix dans les rues. Ok, ça va. Ça va. Pour vous aussi, la même chose. La même chose, non? Nation aussi. Pour moi, il a dit, behold, my servant, when I uphold my elect, in whom my soul delighted, I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Il va amener le jugement sur les païens. Il amènera le jugement sur les païens. He will bring judgment to the Gentiles. And he said, you, any one of you that have accepted Yeshua, have been washed with the blood of the Lamb. The next thing now, the Hebrew Israelite of Elohim. He's talking about the Hebrew Israelite of Elohim. He's talking about his people. He's talking about his children. We must to be light to the Gentile. Là-bas, il a dit de parler de some people, Hebrew Israeli, the Negro. Hallelujah. We shall be the light to the Gentiles. Who are the Gentiles? That's a question. We have treated here in this ministry very well, very often, often, often. Maintenant, la question c'est, qui est le païen? Alléluia. Toi et moi va devenir allumés pour les païens. Maintenant, qui est le païen? Encore, je reviens dans votre version qui a dit nation. Tu vas devenir allumé pour les nations. Qui est la question que tu dois demander maintenant? Qui est les nations? Alléluia. Non, on va utiliser la Bible pour répondre. We are using the Bible to respond. Alléluia. Parce que vous devez voir ça dans la Bible. Comme ça, vous pouvez aussi répondre la question. Moi, je vous dis déjà, renseigne ça. Mais je vais encore, on va retourner encore dans la Bible. La Bible répond lui-même. Et le sage apprend à travers de la Bible. Alléluia. So, I now take it to their own version that say, you will be a light to the nation. So the question now you and I will ask, who are the nation?
and who are the Gentiles? So let us allow Bible to answer us, because I have been teaching it in the Bible, the Gentiles and the nations and the hidden and people who are not people and every other thing the Bible has been mentioning. Okay, toi, il a dit la lumière du monde. Si on demande encore, qui est le monde? Okay, il a dit, c'est aussi dans la Bible. D'abord, il a dit quoi? Le monde, Dieu maudit le monde. Hein? Donc, si le monde est maudit, et il y a des groupes de gens, il y a les gens qu'il a dit doivent être la lumière. Qui est ces gens? Qui est ce genre? Réponds-moi. Hein? Les saints, c'est qui? Son peuple, c'est qui? Les vrais enfants de Jacob. Qui garde sa loi? C'est pas n'importe qui. C'est ça que vous devez ajouter, dis donc. Qui garde sa loi? The saint. Who are the saint? Who will be the light? It's his people. It's his children. The children of Jacob. Do you bear the children of Jacob only by your mouth? By mouth? No. Who keep his commandment? Who keep his commandment and practice it? These are his children. These are the people that are light. They will be light to the world. Hallelujah. So let us get Bible respond to this question. I'm just introducing it. Next time we'll be treating it more deeper. Light to the nation, light to the world, or light to the Gentile. Let us take it like that. Three of it like that. Three points. On va prendre ces trois points. Lumière pour le monde, la lumière pour le monde, la lumière pour les païens, la lumière pour les nations. Donc on a déjà identifié qui est la lumière. Et la lumière, on a déjà trouvé qu'ils sont les enfants de Jacob. Ils sont des Hébreux de Dieu. Ils sont people. On va tout voir aussi dans la Bible. Et maintenant, ça n'est pas terminé là-bas. Ils sont ces Hébreux, ces enfants qui gardent sa commandement et pratiquent sa loi. Qui mettent la loi en pratique. Ça, c'est la lumière de Yeshua HaMashiach sur cette terre. Ils sont la lumière. Maintenant, il va montrer la lumière là. Il va devenir la lumière là pour ce monde, pour cette nation et pour le païen. Qui est le monde? Qui est la nation? Qui est le païen? Parce que, comme ils sont habitués de tromper tout dans la Bible, en train de modifier tout pour nous embrouiller. La Bible va nous répondre. Let us go. As they are writing their Bibles, I'm trying to modify, I try to lie, I try to change, I try to make us to be confused. Let us now go to Deuteronomy 32. On va dans le livre de Deuteronomy 32. Alléluia. Qui est la nation, qui est le peuple, qui est qui et qui et qui et qui sont en train d'appeler eux-mêmes. Deuteronomy va les tous exposer. Aide-moi à lire 32 à partir de lire à partir de 19. Lire from verse 19. Deutéronome 32 à partir du verset 19. L'Éternel l'a vu et il s'est indigné contre ses fils et ses filles. Mm-hmm. Il a dit, je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin. Car c'est une... You see, because of what his children did, as his children who are supposed to keep his commandment and his law. À cause de les choses, ses enfants, lis encore là-bas. L'Éternel l'a vu. Il a vu. Et il s'est indigné contre ses fils et ses filles. Tu as vu, non? Ses fils et ses filles. Des Hébreux qui doivent garder et faire sa
loi. Mets tout en pratique. Qui doit être allumé pour le monde, pour les païens, pour les... Comme ils sont continués, ils sont allés rejoindre les nations, le monde, les païens. Qu'est-ce qui est arrivé? On va voir maintenant ça qu'il a, sa décision. You see? He saw what his children, his sons and his daughters that are supposed to be light to the world. They went to provoke him. See now, we're going to see it, how he mentioned it. Allez-y. Verset 20. Il a dit, je me cacherai à eux. I'll hide myself for them. Et je verrai bien quelle sera leur fin. I will see what will be their end. Car c'est une génération perverse. Ce sont des enfants infidèles. We are. First of all, face us. First of all, face me and you. Il a d'abord nous détruit d'abord. Il a d'abord nous condamné. Nous sommes une génération perverse. Génération infidèle. Maintenant, continue. Il continue. After he deal with us, he judge us, then he go on. Verset 21. Ils ont provoqué ma jalousie. We provoke his jealous. Par ce qui n'est pas Dieu. By what is not God. Ils m'ont irrité par leur idole sans consistance. We provoke him to anger with our vanities, with our idols. Et moi, and I, je provoquerai leur jalousie. I will provoke their own anger, also their own jealous. Parce qu'il n'est pas un peuple. By the people who are not people, les gens, par les gens qui ne sont pas les gens. Je provoquerai leur irritation. I will provoke them to anger. Par une nation sans intelligence. With a foolish nation. Verset 22. Allez-y. Car le feu de ma colère. Because the fire of my anger. S'est allumé. Have been kindled. Et il brûlera jusqu'au fond du séjour. He will burn to the lowest hell. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. Thank you. Marquez là-bas, nation. Il a des peuples qui ne sont pas peuples d'abord, après nation qui ne sont pas les nations, nation folie. Maintenant, retenez, commence encore le verset 6. Let us go back to verse 6. Deutéronome chapitre 32, verset 6. Deutéronome 32, verset 6. Est-ce que l'Éternel que vous rendrez responsable? Do you thus requite the Lord, O foolish people? Peuple fou et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Verset 7. C'est toujours nous, il a dit de nous insulter là-bas. À cause de ça qu'on a fait. It is us that is first of all abusing there of what you have done. Souviens-toi des jours d'autrefois. Passe en revue les années. Génération par génération. Interroge ton père. Et il te l'apprendra. Tes vieillards. Et ils te le diront. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations. When the Most High divided to the nation their inheritance. Divided to the nation. Remember, nation. Mentioned in Isaiah 42. He divided. Rappelle que nation, comme votre Bible était écrit, on doit être allumé en nation. Il est en train de nous expliquer maintenant, car il est en train de nous donner une histoire. Quand il a dit, va demander ton père et ton ancêtre. Mais notre père et nos ancêtres, ils ont servi le diable. Ils sont donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Zéro dans leur tête. Il va nous dire les bêtises aussi. Donc, ça que tu vas faire maintenant, tu vas retourner dans le message d'Abraham, notre grand père. Et c'est celui qui va nous donner la vérité, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. So, you see what he said, go back, he said, go to your father, go to your ancestors, to go and ask them my history.
None of them will tell us because all of them worship Satan, worship idol. So what you have to do now, carry your Bible, go back to Papa Abraham and Papa Isaac and Jacob for them to tell you the true story. Hallelujah. And that is what we are reading now. We are listening to the voice of Papa Moïse to tell us the story. Maintenant, on a retourné, on a trouvé nous-mêmes dans le message de Papa Moïse pour nous dire la vérité. Ok, allez-y. Verset 8. Mm-hmm. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations. When the Most High created the nation and divided them. Allez-y, je n'ai pas encore attendu ça. Donc. Quand il a séparé les humains. Il a donné ça, donné quoi à la nation? Répète là-bas. L'héritage. Quand héritage. Le Très-Haut a donné un héritage aux nations. Ma, pour nous, il a dit quand il a divisé l'héritage aux nations. Il a divisé la terre. Ça veut dire qu'il a divisé. Il a créé la nation. Il a créé la nation. C'est ça que ça signifie. Our own said, when he divided the heritage to the nations, that means when he created the nations and everybody go his own way. Go on, he will still explain it. Va, il va expliquer ça aussi. Quand il a divisé ça? Quand il a séparé les humains. La séparation, c'est la division. Tout le monde, va dans ton pays, toi, va. Allemagne, va. Français, va. Tout va. Partout. Aux États-Unis, va. Tout va. La Chine, va. Va vous là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé les frontières des peuples. Il a mis le front. Yeah, he pull when he share them. Hey, Germany, go your way. Italy, go your way. Spain, go. France, go. China, go. He now put a boundary. Il a mis le front. Yeah. Le limite. Il a mis le limite. Je ne fais pas la relation. Non, je ne fais pas. Allez-y, il va expliquer ça. Allez-y. Il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. Oh! Thank you, Yeshua. There is a nation. Elohim have a nation in this world. And that nation is the nation that's supposed to bear the light. Elohim, il a seulement une nation sur cette terre. Et cette nation, c'est cette nation qui doit apporter la lumière. Allez-y, go on. Verset 9. Uh-huh. En effet. Cette nation s'appelle Israël. That nation is called Israël. C'est pas 1948 Israël. 1948 Israël, ils sont volés d'identité. Mais il va vomir ça. Laisse ça. Ça va passer là-bas. Après, je vais te montrer après, un jour. Alléluia. Ça va passer là-bas. C'est la prophétie de la Bible dans le livre de Amos qui a été arrivé. What is going on now in that place they call Israel is the prophecy of Amos. Amos saw it. Amos chapter 1. That is what is happening there. They are all Gaza. They will fight themselves. Remember, Levin said that he will gather them to fight themselves. Ça que vous voyez là-bas, que vous dites que c'est Israël. Amos, il a vu ça, il a appelé Gaza. Ils sont Gaza. Rappelle, le Seigneur dit, il va les élever pour combattre contre eux-mêmes. Alléluia. Bientôt, il va laisser il va tous laisser cette terre. Fille. Allez-y. Go on. Verset 9. Ok. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Jacob, il said, verse 9. For the Lord's portion is his people. Jacob is the Lord of his inheritance, which is Israel. Hallelujah. Jacob is Israel. Jacob, c'est la part de son héritage. Et Jacob, c'est qui? C'est Israël. Et nous sommes les descendants de Jacob. Qui est son Israélien aujourd'hui, qu'il veut que toi et moi apporter la lumière et montrer les nations. Tu as vu maintenant l'affaire des nations. Donc, comme ils ont essayé de modifier les choses dans votre Bible,
Ouais, moi maintenant je vous ramener pour vous expliquer le nation que vous allez voir là-bas. C'est pas tout le nation qui appartient de Yeshua HaMashiach. Il y a un seul nation. Quand il a créé tout le nation, il a mis loin. Il a mis les frontières. Il a maintenant créé son nation qui s'appelle Israël. La seule nation que Yeshua HaMashiach, Yahoua, il a décidé pour passer, de venir dans ce monde. Et pour montrer, pour demander le monde là, pourquoi vous ne voulez pas me servir? Et pour dire ses enfants, retournez-vous à moi. C'est moi qui vous a créé. C'est moi qui est votre mari. Il n'y a que cette nation. C'est le nation qu'il a choisi, les langues. C'est lui qui nous a donné la langue hébreu que nous on parle. C'est cette langue aussi qu'il a venu dans le monde là en train de parler. C'est cette langue aussi qu'il a utilisée aussi pour écrire tout ce qu'on appelle écriture aujourd'hui. Alléluia. C'est cette langue qu'il a utilisée pour parler à Moïse. La Bible dit bouche à bouche. C'est ça, non? C'est en hébreu. Bouche à bouche. Abraham aussi. Bouche à bouche. C'est hébreu. Alléluia. C'est pas français. C'est pas anglais. C'est pas n'importe quel. C'est pas Espagne. C'est partout. Toutes ces langues, ils sont venus à cause de quoi? Les péchés. Les péchés de Nimrod. Au Babel. C'est pas ça? C'est pas dans votre Bible? Ah. Alléluia. You see it? The only country Elohim have on this earth. You saw it here in this Deuteronomy 32 verse 6. From verse 6, we are now in verse 9. After creating all the nations, He pursued them, as Abraham also did. The same thing, Abraham. That's why we say it's a type of God. Exactly what the prophecy, what happened in Abraham is like. It's a type of Elohim. When he was sharing also his heritage, he shared all the children and sent them far from who? Isaac. The only child, Abraham. The Lord choose for him is Isaac. So, the only child Elohim choose among all that he created is Israel. Not Israel 1948. Israel of Elohim is still scattered till now. They are still scattered. They are Negro. They are Hebrew Israelites. Their language is Hebrew. He gathered them. He chose them. The only language he used to relate to them is Hebrew. That's language he choose. Maybe they say Yeshua HaMashiach also speak Aramaic. Maybe Aramaic and Hebrew. Glory be to Elohim. Et son Dieu aussi, Yeshua HaMashiach, quand il est dans cette terre, il parle Aramaic et Hebrew. Ouais. Aramaic et Hebrew. Prends ça, vois ça. Mais hébreu, c'est ça qu'on connaît, et ça qu'on nous appelle, et ça que nous sommes. Parce que c'est notre langue. La Bible s'était écrite en hébreu. Maintenant, ils sont volés et transmis en grec. En grec, maintenant, ils ont dit ça. Pourquoi vous faites tout ça là? Pourquoi vous changez tout? Même si vous traduisez la parole, pourquoi vous touchez le nom de Yeshua HaMashiach? Ça, c'est un autre cas à part. They now say they introduce Hebrew Bible to Greek, from Greek to pieces. Even though if you are introducing the words that Elohim spoke, why do you touch the name? Noi Dama. Why do you touch the name? All of you pastors, you are writing book. Your book is being sold all over the world. The language is changing. When you change the Amun there. Is anybody change your name? You don't go and sit down and rethink.
be the light of the Gentile. That's the topic of this message. Alléluia. Soyez-vous la lumière des païens. Ça, c'est le titre de cette message. Le titre de cette message, c'est la lumière des païens. Il a choisi Israël. Il a choisi toi et moi. Il a choisi le Négro. Il a venu aussi dans le monde là par le Négro. Il est aussi Négro. Il nous a crié, il nous a séparés. Comme Abraham, il a fait aussi sur ses enfants. La Bible dit, quand Abraham voulait partager toutes choses, tout son héritage, il a partagé à tous les autres enfants, il a mis loin, il a mis aussi les frontières. Contre et Isaac. Alléluia. C'est la même chose que le Seigneur a fait. C'est ça que tu vois Nachon. C'est ça que tu vois Païen. Cette nation, ils sont qui? Ils sont devenus. Pourquoi il les a séparés? Pourquoi il nous a séparés? Il nous a séparés entre cette nation. Parce que cette nation, ils ne savent pas le vrai Dieu. Ils ne veulent pas attendre la voix de Yeshua HaMashiach. Ils ne veulent pas attendre la voix de leur Dieu qui les a créés. Ils sont choisis et dorment jusqu'à aujourd'hui. Mais les seules nations qui existent, qui lit sous jusqu'à aujourd'hui, c'est Israël, le vrai Négro. C'est pour cela que quand tu as donné ta vie à Yeshua, à Mashiach, tu dois se laver dans son sang et purifier. C'est ça qui va te qualifier pour être parmi cette nation israélite de Yeshua à Mashiach, c'est la sanctification et la sainteté. C'est le passeport. C'est l'identité. C'est le cadre de séjour de cette nation. C'est la sainteté. Et c'est ça qui va te faire devenir la lumière de les autres nations. Et nation signifie quoi? Nation ne commençait par une seule personne. Quand tu commences de ménager, vous commencez à multiplier, vous devenez multitude, vous devenez nation. Et nation comes by one person. From one, you get two, you get three. When you begin to born, you begin to multiply, you become nation. You become people. You increase. Hallelujah. Amen. So Elohim choose us, choose Hebrew Israelite. That's why when you don't use your mouth, don't just say you are Hebrew Israelite without keeping his commandment, without walking his laws and statutes, you can never be light to this, to that nation, to this nation, to this world, to the Gentile. It is by keeping his commandment and walking his laws and statutes that will make you to be light to the nation. Why the nation was separated from the Israelites? Because they are being polluted by Lucifer. They walk in iniquity, they walk in sin. They don't fear God, they don't obey Elohim. That's why he put a boundary. He put them far. Alléluia. Donc, je vais arrêter là, par la grâce de Dieu. On va continuer à notre jour. Beaucoup ont déjà parlé. On a déjà touché beaucoup de choses. Qui va faire, celui qui voulait rentrer dans le royaume de Dieu va repentir et changer. We have spoken a lot. We have touched a lot that can make anyone who want to really make heaven. When you listen to this message, your life will be transformed. You will totally rearrange your life and become a light to the Gentiles. Les choses dans ce message qui a touché tout ça qu'on a parlé aujourd'hui, c'est quand tu es la lumière pour les païens, ça va te faire d'arranger ton comportement. Parce que ça commence d'abord de notre comportement. Ça commence d'abord de notre comportement, notre attitude, notre caractère, notre habillement doit être différent. Ça ne doit pas. Là, avant, la Bible dit,
Ça court de temps, on va aller là-bas, mais on va aller là-bas un autre jour. Avant, vous êtes en Égypte. On vit comme le païen. Mais maintenant que sa grâce est tombée sur nous pour nous ramener à son royaume, la Bible dit dans le livre de Romains, à le royaume de son fils. Donc, il dit, toutes les choses des païens doivent disparaître dans notre vie. Romain encore dit, avant, on était comme les arbres sauvages. Parce qu'on marche avec les païens, on a devenu arbres sauvages aussi. Mais il nous a réacheté par son sang. Tous les bêtises là doivent partir. La lumière de sa gloire doit commencer maintenant à démontrer dans notre vie. Alléluia. Romain, le book of Romans says, before we are like that olive tree, that wicked olive tree. We live with the Gentiles, with the pagans, with the heathen. We are corrupted. You see what he calls us in Deuteronomy 32, a perverse generation. People he thought that we bring out his glory. But we become perverse people. We hate truth. But by the grace of Yeshua HaMashiach, he brings us all back to him. What do he expect you and I to be? Light now to the Gentiles. Because the Gentiles are people who are not people. Hallelujah. Have you know? Maintenant qu'il nous a racheté, ramené à lui par sa grâce. C'est pour ça qu'il a venu pour nous. Rappelle quand on lui a demandé, il a dit, je suis venu pour le bribri qui a perdu dans la maison d'Israël. Ce n'est pas pour n'importe qui. Remember when they asked him, when the Pharisees asked, he said, I did not come for you, but I come for the sheep of my father that lost from the house of Israel. And the Bible says again, for salvation is for the Jews, for Hebrew Israel. Leave what they are writing here. Salvation is for Hebrew Israelite first. Alléluia. C'est ça que Romain a. Laissez ça qu'il soit en train d'écrire. Il a dit aussi, parce que la salut, c'est pour le peuple des Juifs. Le peuple des Juifs, rappelle, les vrais Juifs, c'est les Hébreux. Hébreux, Israël, le Négro. Il dit, premier, avant les Grecs. Les Grecs, c'est le païen. Il dit, he said, before the Greeks. The Greeks are the pagans, the Edomites. Alléluia. Aide-moi à aller là-bas, on va faire le clôture là-bas. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. We are going to close there. Thank you, Lord. Worship Elohim. Romains chapitre 1, verset 16. Alléluia. Aide-moi à lire si tu es là-bas. Aide-moi à lire Romains 16. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Verset 16. Uh-huh. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Uh-huh. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit du juif. Uh-huh. D'abord, mais aussi du non-juif. Amen. Quand tu lis la Bible un par un, là, que comprends ce que tu es en train de dire. La salut, c'est d'abord pour qui? Et maintenant, pour nous. D'abord, c'est pour les Juifs. Le Juif, le vrai Juif, c'est Hébreu. C'est pour cela que Yeshua, il nous a expliqué aussi l'affaire de Hébreu. Apocalypse 3, Apocalypse 2, Apocalypse 3, il a dit, il y a les vrais Juifs. Il dit, pour enquêtez-vous, pour laisser les gens qui ont réclamé qu'ils sont Juifs là, ils sont les faux Juifs. Je connais mon vrai Juif. Alléluia. Les vrais Juifs, ils sont des Hébreux Israélites, les Négros. The true Israelites, the true Jews are the
Hebrew Israelite of Elohim, the Negro. That's why he said in Romans, in Revelation chapter 3, Revelation chapter 2, that don't mind those ones that are walking and dressing and claiming that they are Hebrew. They are fake Hebrew. They are not the true Hebrew. I know my true Hebrew. When I will deal with them finish, they will come and beg you people. Hallelujah. So, he created you and I. He came. Salvation is first for us because we are the one now to go and preach to them and show them the light of Elohim. That's why it is first for us. Hallelujah. La salut, c'est pour nous premier avant eux parce que c'est nous qui doit apporter son allumette pour aller montrer les païens. Tous qui ont été de dire n'importe quoi contre nous, critiquer MFN, tout, dire n'importe quoi. C'est pour cela que quand tu vas, quand ils sont en train de dire n'importe quoi, ouvre la Bible, montre la Bible, ils sont païens. Même si il va dans l'église, il va dans quelle église? Là, l'église, c'est païen. L'église qui ne prêche pas la sainteté, dit la vérité, qui ne connaît pas toute cette vérité qu'on a pris à payer là, c'est l'église des païens, dis-le clair. Tu ne peux rien faire. Madame et monsieur, répentez-vous. Sortez-vous dans l'église des païens. Alléluia. That's what the Bible says. Me and you should know the war, the commandment and the statue of Elohim. We are the first people, the Hebrew Israelites of God, the Negro Jews of Elohim, scattered all over the four corners of the earth. Nous sommes encore dispersés dans le quatre points du monde. On n'est pas encore rassemblés. C'est le Seigneur qui va faire ça. Ce n'est pas quelqu'un. Alléluia. We are still scattered. It is Elohim that will do it. It is not anybody. It's not any nation. It's not United Nations. Ce n'est pas NATO, pays, nation. Non, c'est lui-même qui va faire ça. So, that's why we go to them, we speak, we carry the light of the gospel. And the light of the gospel includes your dressing. You cannot say you are carrying the light of gospel to somebody, you dress like a prostitute. You carry artificial hair, put in your ear. You carry mommy water hair. Put in your ear. You carry the Gentile lipstick, Gentile ear. You pierce your ear, pierce, you dress like the Gentile. And you say you want to go, you are a light of the gospel. You are a failure, you are a liar. Anyone you will get will be like you. You see the difference? Hallelujah. Tu ne peux pas dire tu es la lumière de Yeshua, la lumière de son évangile et tu voulais aller prêcher et aller parler à les païens parce qu'ils sont tous là-bas, ils sont païens. Tu voulais aller leur parler de Yeshua à Machia, tu es habillé comme eux. Faux cheveux, attachement sur ta tête, comme eux. Bijoux, comme eux. Bout de oreille, tu as piercé tout en train d'aller, comme eux. Rouge à lèvres, comme eux. Pantalon et tout comme eux. Tu es habillé comme le païen. Tu voulais aller là. Tu as de réclamer que tu es la lumière de l'évangile de Yeshua Amashia. Tu es menteur. Tu as échoué. Pasteur Bishop, vous êtes l'église des païens. Alléluia. Je te dis la vérité. Tell them the truth. Pasteur Bishop, you that introducing, you that are adoring all the adornment. Don't worry. When we will, next time when we get to the part 2, I just do introduction. We will go deeper and we get the book of Adam and Eve. You will see the pagans there. You will know more about the Gentiles, the pagans, and pagan worship and pagan way of dressing. Hallelujah. Il n'y a pas de problème. Le deuxième partie, quand on va aller dans le livre que Dieu vous dit de chercher là, le livre de Adam et Ève. On va voir l'habillement des païens. Comment le païen habillé, et comment ça a venu et la façon qu'ils sont habillés, ils sont en train d'habiller. Donc, tu ne veux pas dire que tu es la lumière de l'évangile de Yeshua Amashia, tu es habillé comme ça. Et tu dis que tu vas aller évangéliser. Ce n'est pas possible.
tu ne peux pas les gagner. Ça que tu vas aussi aller gagner là-bas. Si tu es habillé comme eux, tu vas aller aussi introduire le païanisme. Moi, je vais utiliser cette langage comme ça. Je ne sais pas. Pour moi, c'est païanisme. Ça veut dire que vous êtes tous païens. Alléluia. So if you dress like a Gentile, you say that you carry gospel. You carry fake hair. You carry fake beauty. Fake beauty. You dress your trouser, tie it, show you your buttock and your sexual organ, and say that you are calling Jesus. You want to go and do evangelism. You are just introducing Gentilism. That means all of you are Gentiles. You are not introducing, you don't carry any light, no light in you. Hallelujah. May the Lord deliver us. So we go on later. By the grace of God, when you want to read, that is next time when we will be treating it. You will read the book of Adam and Eve, chapter 20, which is X in Roman figure. You see it, double S. Si tu voulais lire, quand on va continuer avec le livre, on va toucher là-bas bien. Le livre de Adam et Eve, chapitre 20, en écriture de Roman, figure romane, c'est Is. Tu lis ça là-bas, Is, jusqu'à, je pense que jusqu'à la fin, il est jusqu'à verset 37. Alléluia. Tu vas voir pourquoi nous sommes la lumière. Pourquoi nous sommes la lumière. Alléluia. Car les enfants de Gérard, les enfants de Seth, ils sont désobéis, leur papa, et aller ménager avec les enfants de Caïn, Lamech. On va voir ça qui est arrivé. On va voir aussi la séduction, comment ils sont séduits, les enfants de Seth. On va voir comment ils sont séduits, ils sont devenus païens aussi. Leur vie finie. Sans homme, étaient bannis. Mais quand ils sont descendus, vous voyez que depuis le commencement que le Seigneur nous séparait. Alléluia. Il nous séparait toujours. Il demande la séparation toujours. C'est pour ça que toi et moi doit être la lumière de ce monde, de n'importe qui qu'on prêche. Laissez les gens qui habillent n'importe comment. On doit être la lumière dans la parole, dans notre comportement, dans notre attitude, dans toutes choses. Nous sommes la lumière de l'évangile de Yeshua HaMashiach sur cette terre. Alléluia. So, go at home, read the book of Adam and Eve, chapter 20. In Roman figure is XX, read all. You will see how the children of, when the children of Seth, the children of Gerard, 100 men, see, you will see how Genu, c'est ça, appelle Genu, non? Genu, l'enfant de Lamech, de Caïn, de race de Caïn, comment ils sont séduits. Comment Satan est communiqué avec lui. Satan est communiqué avec Genu, comment séduire les enfants de Yahoua, qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Même avec le musique du monde, tu vas voir comment le musique du monde il a commencé. Vous qui l'aimez, le musique du monde, tu vas voir. C'est le musique du monde avec l'habillement séductif qui sont utilisés pour finir les enfants de Dieu. Bien-aimé, on doit être la lumière. Faites très attention. Alléluia. You will see how the children of Elohim was seduced by the music of this world. By Genu, it's called Genu, the child, one of the sons of Lamech, the lineage of Cain. How Cain born to women. All these women you see everywhere are children of Cain that are opening their body, seductive, everything. Cain, ses enfants, le plus nombre de ses enfants, c'est femme. C'est là que tu vois plusieurs femmes dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Séduire les hommes.
séduit les enfants de Seth. Amène-les où? À l'enfer. C'est pour ça qu'en Babylone, tu vas voir toutes les femmes en Babylone sont prostituées. Comment prostituées? Regardez l'habillement. Regardez l'habillement. Même les vieux, ils portent le sexy. Les enfants de Caïn. Serpent seed. That's why he come to Babylon. Every woman in Babylon is dressing to seduce the children of Seth. Seth have male children. Look at, go and read it and see how many male that was taken at once. 100 men. He was taken from the camp of Elohim. Satan took 100 men at once. Because of seduction. Because of women dressing. Because of their breasts outside. Because of tattoo. Come Babylon. Come and see them. That's why every woman in Babylon want they are in seduction to finish all men. All the children of Seth, they want to send them to hell. We must be light. May the Lord help us in the name of Yeshua HaMashiach. Let us be on our feet. If we know. C'est ça que tu dans l'église, quand il vient, ça qu'il va porter, c'est pour montrer le pasteur les slips. Les enfants de Caïn n'ont pas le respect. That's why you see them, when they are coming to church, what they will wear, mini skirt, mini jeep, to come and show pastor their pint, their underwear. The children of Cain. And their pastors love it. They will show them their breasts, show them their bra. If I venez dans l'église, vous venez montrer le pasteur, les bras, les quatre, les tout. Les enfants de Caïn. On ne doit pas être comme eux. Dis-les la vérité. Les enfants de Caïn. Va aller là-bas, tu vas voir ça qui est arrivé. Tu vas voir ça qui a passé. Go and read that place, you will see what happened. They're all Bible. They remove it from Bible so that we will not know the truth. Ils sont arrachés toute cette écriture dans la Bible que toi et moi ne peux pas comprendre ce qui a passé dans ce monde. Ils sont venus faire copier-coller. Il va commencer une histoire ici, il va couper ça. Il va prendre un autre, il va couper aussi. Il va prendre un autre, il va couper. Tu lis la Bible, tu es embrouillé, tu ne comprends pas où aller, qu'est-ce qui passe. Alléluia. They will start one story in the Bible, they will cut it. They start this one, they cut it. They start this one, they cut it. So that when you are reading the Bible, you will be confused. You don't know which one to believe. Everything, they cut it out. But go now, those scriptures, Elohim have restored it. So that you will get a clear story of whatever happened to anyone. So that you will know how to live your life. Ask the Lord, pray, help me, Father, make me to be a light to these Gentiles. Seigneur, aide-moi, fais-moi de devenir un lumière pour les païens. Fais-moi. Les enfants, priez. Tout endroit que tu es, dans ton travail, dans ton boulot, n'importe où que tu es, tu dois être un lumière. Dans la parole, dans le comportement, dans l'attitude, la façon de réagir, la façon de faire les choses, tu dois être un lumière. On va te remarquer, on va te connaître, on doit te connaître que, ah, Lila, non. Lila, non, il n'est pas comme ça. On doit te remarquer. Ton chef, dans le travail, ton directeur et tout, il doit savoir que, ah, Lila, non. Avant que, s'il y a quelque chose qui est en train de parler, s'il y a quelque chose qui est arrivé là-bas, il est en train de mimer à parler. Si quelqu'un te mentionne ton nom, ton directeur même, il va dire, non. Quand il n'est pas là, mais je sais ce qu'il peut faire. Non, il n'est pas là. Mais moi, je parle. Je parle pour lui. Et lui, il ne veut pas faire ça. Alléluia. Je lui connais. C'est vrai qu'il y a la crainte de Dieu. Il n'aime pas faire ça. C'est comme ça qu'on doit être. La lumière pour les païens. That's what we're supposed to be. Light to the Gentile. Light to the Gentile. Something happened in your working place or your school and everywhere. And before if they mention your name, your director or your boss or whatever, we just tell them that, no, I know that person. That person, you mention his name now, is not there. He's not here, but I am defending him even without him speaking. I am defending him because I know who he is. That is the light. Be a light in your character,
in your behavior, in your attitude, in whatever you do, in the way you react, in the way you do things. Be a light to the Gentiles. We are living in the Gentile nation. On vive dans le pays des païens. On doit être la lumière. C'est pour cela que on ne doit pas ménager. On ne doit pas ménager. S'il parle, il dit n'importe comment, tu dois être un exemple de Yeshua HaMashiach pour les refroutes. S'il ne veut pas, laisse-les. Laisse-les quitter au milieu de eux. Évitez la salie. Soyez la lumière. Alléluia. Yeshua lui-même, il a dit. Il a dit, vous ne savez pas que vous êtes le sel de cet monde. C'est ça, non? Le sel. Cet monde. Il a dit encore, vous êtes allumé. Il dit, allumé dans le montant ne se cache pas. Alléluia. Il dit, vous êtes le sel de cet monde. Cette sel ne doit pas perdre sa savoir. Alléluia. Quand tu as ménagé avec eux, encore de faire comme eux, tu as perdu ta savoir. He said, we are the light of this world. A light placed on the mountain can never be, it's always be seen. It cannot be hidden. And he said, again, we are the salt of this world. And salt is not supposed to lose its value. When you begin to mix with them as the children of Seth went to mix up with the children of Cain. And when you read it, you see what happened. Elohim banished them. Hallelujah. Quand tu lis là-bas dans le livre d'Adam, tu vas voir. Immédiatement, quand les enfants de Seth et les enfants, ils sont partis mélanger avec les enfants de Caïn. Lis là-bas, la première chose qui est arrivée, immédiatement, la première jour seulement, ils sont partis. Qu'est-ce qui est arrivé? Fornication. Le premier jour qu'ils sont descendus dans cette montagne, là que le Seigneur les a gardés, et ils sont partis. Allez. Visiter. Seulement, la visite seulement avec les enfants de Caïn, les filles des païens, avec les séductions et tout. Qu'est-ce qui a passé? Premier jour, sexe. C'est toujours ça qui passe aujourd'hui. C'est pour ça que tout le monde, toutes les femmes aujourd'hui, toutes les femmes en Babylone voulaient marcher nues. Marcher nu. Mais les enfants de Yeshua ne doivent pas être comme ça. Rentre dans l'église, tout le monde sont nus. Séduction partout. Et quand on dit la vérité, il dit, bien-aimé, sépare-toi-même. Papa, aide pitié de nous. Seigneur, aide-nous. On sait qu'on vit dans le monde pollué total. Mais on peut vivre dans la sainteté. Si nous-mêmes on veut, si nous-mêmes on décide. Alléluia. Aide-nous, donne-nous l'esprit de la sainteté. Donne-nous l'onction de la sainteté. Donne-nous l'esprit de la sainteté. Donne-nous la puissance de la sainteté. Pour vivre et continuer d'être la lumière pour toi. Dans toute notre affaire. Aide-nous, Seigneur Yeshua HaMashiach. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, la vraie prière. Que ton nom soit glorifié. Couvre-nous, Papa. Plongez-nous dans le sang de Yeshua HaMashiach. Aide-nous que ta parole et que ton esprit restent toujours à nous. Merci Yeshua, merci Adonai. Merci le roi des rois. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, dans vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Ô Seigneur, j'étais